Assalamu alaikum. Voici une nouvelle leçon. Elle s'intitule Exprimer un jugement valorisant. L'objectif de cette leçon est le suivant. Exprimer un jugement valorisant en utilisant <coughs> les moyens de la caractérisation. Exprimer un jugement valorisant. Donc il s'agit d'un jugement amélioratif qui sert à embellir les images. Le descripteur donne son point de vue et les images qu'il donne de la chose qu'il décrit sont des images positives. C'est ainsi qu'on l'appelle un jugement valorisant sur les choses décrites. Le support. Nous avons consulté le site www.tripadvisor.fr. Pour recueillir quelques avis postés par certains voyageurs qui ont visité la vallée de Lorica. Voici ce qu'ils pensent. A commencer par le premier point de vue et est publier il y a cinq jours. Magnifique. Je suis parti en excursion d'une journée vers la vallée de Lorica. Cette excursion qui était organisée par riad était extraordinaire. J'étais vraiment ravi. Émerveillé par les paysages captivants, je crois que cette vallée est parmi les plus belles d'Afrique. Alors, la première des choses qu'il faut détecter dans ce premier point de vue de Karim, c'est la formule. Je crois que qui est une formule qui veut dire que Karim, dans son point de vue, ainsi, cette description qu'on va avoir ici, est une description subjective et non pas objective. Parce que Kerim n'est pas neutre. Alors, il fait entrer oui. ou il fait insurgir ou inclure sa subjectivité dans la description faite. Exemple, au début, je suis parti en excursion du journée vers la vallée de l'Ourika. Là, c'est le principal. Et puis, cette excursion est décrite de la manière suivante. Cette excursion qui était organisée par Moriad, il s'agit d'une subordonnée relative. Bien sûr, cette subordonnée relative n'est pas euh, à pour le dessin, pour le, le but <coughs> de décrire, mais c'est juste une description déterminative. Cette excursion était extraordinaire. Voilà la description avec cet adjectif qualificatif attribué du sujet, cette excursion. On dit que cet adjectif qualificatif est attribué du sujet parce que vous avez un verbe d'état, le verbe être. Donc, à chaque fois, nous avons un nom avec l'adjectif qualificatif qui le qualifie, qui le détermine. Et vous avez entre les deux un verbe d'état, exemple de être, comme ici. Ou bien, verbe paraître. Ou bien, verbe sembler. Ou bien, la locution verbale avoir l'air. Ou bien, demeurer. On vient de venir. À chaque fois, nous avons ces verbes appelés des verbes d'état entre le sujet, entre le sujet excursion, par exemple, et son adjectif qualificatif. Celui-ci, cet adjectif qualificatif, on va l'appeler adjectif qualificatif attribut du sujet. J'étais vraiment ravi et émerveillé. Alors, qui est ravi et émerveillé? <laughs> C'est le sujet je. Encore une fois, il s'agit de deux adjectifs qualificatifs attribués au sujet parce que nous avons un verbe d'état. Voilà le verbe d'état. Je peux à la place mettre les verbes de tout à l'heure. Euh, je parais vraiment ravi et merveilleux. Je deviens vraiment ravi et etc. Alors, ravi et merveilleux sont deux adjectifs qualificatifs coordonnés attribués au sujet je. Par le biais, au moyen de, verbe être. Deuxième moyen que nous avons dans ce fragment de phrase, comme moyen de caractérisation, c'est l'adverbe vraiment. Phrase suivante. J'étais vraiment ravi, émerveillé par les paysages captivants. Alors voici le nom, paysage. Et ce nom est qualifié ou déterminé par, <coughs> est déterminé par, le mot euh, captivant. Donc captivant, c'est un adjectif qualificatif qui caractérise paysage le nom. Entre les deux, il n'y a rien. Et parce qu'il n'y a rien, cet adjectif qualificatif n'est pas attribut de ce nom, mais il est épithète. C'est un adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif épithète, c'est un adjectif relié à un nom sans intermédiaire, sans outil intermédiaire. Donc entre l'adjectif et le nom, il devrait ne rien avoir. Puis je crois cette vallée est parmi les plus belles d'Afrique. Alors cette vallée est parmi les plus belles. Vous avez ici l'article les, vous avez l'adverbe d'intensité plus, et vous avez l'adjectif qualificatif belle et le tout forme ce qu'on appelle le superlatif. Tout ça s'appelle superlatif voilà là c'est la première partie deuxième partie à notre avis <coughs> splendide je pense que on signale encore la présence de cette formule d'opinion je pense que donc le descripteur va encore être subjectif et il va donner une image qui est positive je pense que nous avons passé une journée agréable alors une journée comment il est une journée agréable Agréable donc, ce sera un adjectif qualificatif. On l'appelle ainsi parce qu'il qualifie le nom journée. Donc, il le caractérise. Sans intermédiaire entre ce nom et l'adjectif, donc, l'adjectif est adjectif qualificatif hypothèse comme on a vu dans le premier cas. Les vues étaient superbes. Les vues, comment elles étaient, elles étaient superbes. Donc, le nom vu est décrit ou caractérisé dans la phrase par l'adjectif qualificatif superbe. Entre les deux, nous avons encore le verbe d'état, être. Les vues étaient superbes, les vues semblaient superbes, les vues restaient superbes, les vues avaient l'air superbes, etc. Donc tous les verbes que je viens de mentionner oralement sont des verbes d'état qui s'intercalent entre le nom décrit ou caractérisé avec le moyen de caractérisation adjectif qualificatif. Alors cet adjectif qualificatif, on l'appelle, comme dans le premier cas, un adjectif qualificatif attribut. Du sujet encore une chose tout à l'heure j'ai oublié attention exemple ici je pense que nous avons passé une journée agréable ok c'est pas là j'écris que c'était un COD dans ce cas de, de je crois que une journée était un COD attention si vous avez par exemple un sujet plus un verbe plus un COD plus un adjectif qualificatif il ne suffit pas de voir qu'il n'y a rien entre l'adjectif qualificatif et le COD pour dire que c'est un adjectif épithète. Parfois, ce n'est pas juste. Parce que si le verbe qui est, qui est entre le sujet et le COD est un verbe de jugement, un verbe de jugement, ne dites jamais que cet adjectif qualificatif est un adjectif épithète, mais attribuez-en du fait que entre cet adjectif et le COD, il n'y a rien. Pourquoi Parce que le sujet avait jugé, a jugé le COD, puis il lui a attribué l'adjectif qualificatif ou le qualificatif d'après. Donc on va l'appeler dans ce cas si le verbe est un verbe de jugement, l'adjectif attribue du COD, du COD. Donc là c'est un cas exceptionnel pour les adjectifs épithètes. Je complète, je complète mon explication par la dernière phrase. Nous avons déjeuné au bord de la rivière, presque les pieds dans l'eau. Encore ici, vous n'avez pas vous n'avez pas de description même si vous avez bien sûr un commentaire de l'action de déjeuner et comment cette action a été faite. il est faite avec les pieds presque dans l'eau parce que les restaurants euh, quand vous avez ici dans l'image vous avez les chaises <laughs> tout proches de l'eau. il y a même quelques-uns qui euh, euh, bien sûr si le débit de l'eau n'est pas fort ils mettent les tables et les chaises au milieu de l'eau ils peuvent prendre leur déjeuner euh, à l'intérieur même. C'est ainsi que euh, celui qui fait la description tout à l'heure était euh, au, Leur table était près de l'eau et les pieds étaient tout proches. Euh, dernier point de vue très beau. On vient écrit il y a six jours. Encore une fois, vous avez, à mon avis, qui est une structure d'opinion. Cette excursion était la meilleure, la meilleure. Euh, attention pour meilleur. À l'origine, c'était plus bonne plus bonne. En français, on ne dit pas plus bon, plus bonne. Ça ne se dit pas. On dit meilleur. Donc, le comparatif de supériorité le superlatif de bon sera toujours meilleur que ou bien la meilleure que. Euh, la meilleure, pardon. Bon, alors, cette excursion, cette Excursion, le verbe être attributif et vous avez la meilleure qui est un superlatif parce que vous avez ici l'article là. La meilleure chose qui nous est arrivée pendant notre voyage. Vous avez ici une subordonnée relative, sauf que encore une fois, cette relative n'a pas la valeur de la description. Et puis, certes, certainement, il faisait très froid vu la saison. Donc la saison peut être si l'hiver ou l'automne, mais... C'était bien ensoleillé. Vous avez encore le sujet c'est qui représente dans le contexte de, du texte du paragraphe ça représente le climat. Le climat était bien ensoleillé. Oh là. Okay. ensoleillé donc ce sera l'adjectif qualificatif encore une fois attribué du sujet parce que vous avez entre le sujet et cet adjectif le verbe d'état, un verbe attributif. Puis vous avez aussi le deuxième point, le deuxième moyen de caractérisation, c'est l'adverbe bien. Dernière chose, la vue était très ravissante. Quand vous voyez tous les, tous les textes, tous les trois paragraphes sont faits avec presque les mêmes moyens de caractérisation l'adverbe et l'adjectif qualificatif, alors qu'il y, y en a d'autres. Normalement, on devait diversifier les outils pour que les élèves comprennent le moyen de la caractérisation. Bon, alors, merci pour euh, votre attention. J'espère que cette petite vidéo. Euh, vous plaisent et vous aident à comprendre ce, cette petite leçon de la valorisation ou de la subjectivité euh, valorisante euh, dans la description. Euh, Je dois aussi mentionné que pour faire ou pour être subjectif valorisant dans une description, on donne ou on utilise un vocabulaire amélioratif, exemple de meilleur, euh, qui est positif dans le sens. Vous avez ravissante, encore c'est une structure positive, ensoleillée également Et par rapport à la, à la saison froide. Vous avez encore extraordinaire, c'est positif, hein? magnifique, euh, ravi, émerveillé, euh, captivant, euh, belle, splendide, superbe, agréable, magnifique, etc. Quand vous voyez hein, la description subjective valorisante ou améliorative, c'est une description euh, qui utilise un champ lexical positif euh, des qualifications. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.